Ben bonjour, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo pour parler du coronavirus et vraiment c'est pas mon sujet préféré, mais comme on a vu l'information ce matin comme de quoi que à partir de dans 5 jours d'ici, en fait, dans tous les endroits publics fermés au Québec, les masques, le port du masque par les citoyens sera obligatoire. Et bientôt, vous allez voir, ça va être dans les endroits publics ouverts probablement aussi. Mais moi je trouve que bon, c'est une bonne décision, selon moi, malgré qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont chialer contre ça terriblement, mais moi je pense que c'est une excellente décision parce que on voit particulièrement depuis 2 semaines là, qu'il y a un laisser-aller total partout. Bon, moi je suis allé à plusieurs places dernièrement. Bon, à l'hôpital, ça malheureusement, j'ai été là la semaine passée pour un examen qui était pas drôle du tout, mais bon, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Et ça là-bas, par contre, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'ordre. On fait attention pour la distanciation, on fait attention que les gens soient pas assis collés l'un sur l'autre. Tout est respecté là-bas. Je trouvais ça, je trouvais que c'était excellent. Mais par contre, si on va dans les centres d'achat ou dans les épiceries ou dans les pharmacies, ben, on voit qu'il y a un énorme relâchement. Alors peut-être que le fait que les masques soient obligatoires, ça va. Bon, c'est sûr qu'ils vont se dire, ils ont tous des masques, alors on n'a plus besoin de s'occuper des autres, qu'ils s'arrangent entre eux. Mais moi, je pense que ça devrait être une bonne occasion pour ces endroits-là de remettre de l'ordre un peu dans les bâtisses. Parce que là, quand tu vas à l'épicerie, oui, il y a quelqu'un à la porte habituellement qui est là avec un air bête naturel qui te dit, lève-toi main. Mais ça donne quoi? Tu t'en vas dans les allées, il n'y a plus d'ordre, les gens ne respectent plus les flèches. Ensuite de ça, tu te fais presque engueuler quand tu passes pas. Parce que, bon, c'est ça, dans l'allée, normalement, au début, avant que les gens cessent d'observer les règles, s'il y avait quelqu'un avant de toi, tu attendais que la personne ait fini. Tu rattrapais pas, comme on dit, là, comme sur l'autoroute, ben t'attendais. Mais maintenant, si tu attends, ben t'es mal vu. Tu te fais disputer, les autres te disent non, ouais, passe, ouais, il est pas dangereux, ouais. Donc là, je pense qu'il serait le temps de remettre de l'ordre un peu là-dedans, masque ou pas. Je pense qu'il faut respecter les règles, il faut suivre les flèches aussi. Il faut respecter les règles. Moi, je pense que les gens, il y en a beaucoup dans les dernières semaines qui ont commencé à croire vraiment solidement pour ça que toute cette histoire de coronavirus, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui disent ça. Pas juste sur Internet. Je pense que dans la société aussi, il y a des gens qui n'y croient pas. Et on le voit quand on rencontre des gens, il y en a qui nous le disent carrément. Et je pense que ça va permettre aux gens de réaliser que c'est vrai parce que cette crise-là, elle est là, je pense, pour vrai, elle est là pour durer aussi. Malheureusement, mais elle est là pour durer. On parle de deuxième vague, mais la première est même pas terminée encore. Alors, je pense qu'il vaut mieux prendre les devants et être prudent là, avant que ça recommence à aller tout de travers. Et je pense que pour les endroits publics fermés, entre autres, oui, les gens auront des masques, mais moi, je pense que c'est une excellente occasion de remettre un peu d'ordre, avoir dans les épiceries, par exemple, avoir plus de surveillance à l'intérieur. Pas juste une bouteille de savon, puis un arbitre à l'entrée, mais de la surveillance à l'intérieur, c'est très important. Les pharmacies, la même chose, ça allait bien au début, mais ils ont relâché. Et puis, je pense que du côté également des centres d'achat, oui, comme je disais, les épiceries, c'est très important, les pharmacies, mais les centres d'achat, c'est ça, les centres d'achat, c'est le free-for-all beaucoup, je trouve. On rentre dans certains magasins, il n'y a aucun ordre dans ça. Tout le monde est collé l'un sur l'autre, et personne ne fait attention. C'est quand même risqué. Là, il y aura des masques, oui, mais je pense que c'est quand même pas une raison pour enlever toutes les règles. Et je pense que c'est important de remettre de l'ordre dans les bâtisses, comme on dit, dans les endroits publics fermés. Les gens ont des masques, mais je pense que les dirigeants de ces bâtisses-là doivent remettre de l'ordre. Un ordre qu'ils ont abandonné depuis déjà 2 semaines. Alors, c'est mon opinion là-dessus. C'est sûr que je serai pas très populaire parce que la majorité des gens sont pas pour ça. Puis la majorité des gens aussi, de plus en plus, croient que c'est pas vrai. Mais moi, j'étais sceptique au début. Mais je disais jamais que je pensais que c'était complètement faux. Mais je disais jamais que c'était complètement vrai parce que j'étais pas sûr. Je me disais, bon, c'est sûr qu'ils gonflent les statistiques. Mais peut-être que c'est vrai. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était vrai parce que il y a une dame que je connais qui reste aux États-Unis avec qui je parle depuis très longtemps sur Twitter. Et en passant, elle n'a pas 70 ans du tout, là, elle est beaucoup plus jeune que ça. Et elle l'a eu le coronavirus, elle, c'était au mois d'avril. Et elle a failli y rester. Alors, je me suis dit cette fois-là, bon, si c'est arrivé à elle, qui a 40 ans, ben ça peut arriver à n'importe qui. Et alors, là, j'ai commencé à croire que c'était vrai. Et je pense que de plus en plus, oui, les statistiques, c'est sûr, sont gonflées parce que probablement que les autorités veulent essayer de contrôler davantage en gonflant les statistiques, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que la crise est réelle et au moins si les gens observent les règles de distanciation, les règles de prévention qu'on pourrait dire, ben, on va peut-être réussir à prolonger plus longtemps parce que sinon, ce virus-là va gagner le temps du terrain. Alors, c'était mon point de vue pour aujourd'hui. Bonjour et c'est Mario, merci.